Good morning, allez-y, Daniel Sutra, aujourd'hui, l'Elo Nishmat, Avraham Mordechai Ben Yisraël Befani, Dvorah Bat Esther, et Lirfuat, Amram Ben Masoudi Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine d'une Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions ma serre, Tivamot Perek Zain, Mishnah Vav, Kohen Gadol Pe'amim Shehu Posel, Keitzad, Bat Kohen et Israël, Veyalda Emenu Bat, Valcha Abat Venisat la Kohen, Veyalda Emenu Ben, Areize, Raouiliot Kohen Gadol, Omed ou Meshamesh Al Gaba Misbeach. מאכיל את אמו, ופוסל את אמו. וזאת אומרת, לא כבני כהן גדול, שהוא פוסלני מן התרומה. Conclusion, si on peut dire, de la Mishnah précédente, où on a découvert plein de halakhot en rapport avec le statut d'une femme, quand est-ce qu'elle est en droit de manger la trauma ou pas, avec cette fois-ci, l'Aïma, elle va nous présenter ça de manière un peu insolite, en nous montrant comment un Kohen Gadol, il va interdire à sa grand-mère de manger de la trauma. C'est-à-dire, je répète la notion de base. Une femme, pour pouvoir manger de la trauma, il faut soit qu'elle se marie à un Kohen, soit qu'elle ait un enfant Kohen. Et je répète, comme on a vu dans la mesure précédente, c'est pas la peine d'avoir l'enfant Kohen encore vivant. Dès que l'enfant Kohen a existé, et qu'il a donné naissance à une progéniture qui a filé à lui, il a donné une naissance à une progéniture, même si le Kohen y meurt, la progéniture qui va rester va permettre à la grand-mère de manger, même si la progéniture elle-même n'est pas Kohen. C'est-à-dire, on va prendre un cas. Il y avait une Bat Israël qui a été abusée d'un Kohen. Elle a donné naissance à un petit garçon qui est un Kohen. Ce petit garçon, il a grandi. Elle a donné naissance à une fille qui est une Kohenette. Ah, il reste. Il y a une fille qui est Kohenette, elle peut donner à manger à sa mère. Sa mère peut manger grâce à elle. Cette fille grandit, va se marier avec un Israël. Elle va se marier avec un Israël, elle va donner naissance à un petit Israël. La fille, entre-temps, elle est morte. La grand-mère, qui était Israël, mais qui a donné naissance à une Kohenette, et qui lui reste un petit-fils Israël, donc elle est Israël de pur sang, de nature. Elle a donné naissance à, au final, il lui reste un Israël sur terre. Mais puisque c'est un reste de sa fille Kohenette, ça s'appelle que sa fille Kohenette, elle est encore là, et la grand-mère a le droit encore de manger la trauma. Inversement, si c'était une Bat Kohen qui était en droit de manger la trauma, elle a eu une fille avec un Israël. Le petit qui naît, la petite qui naît, maintenant elle a un interdit à sa mère de manger la trauma. Si cette fille-là, maintenant, va avoir un enfant, même Kohen, donc la mère, elle est Kohen de nature. Elle a, il lui reste un petit fils, qui est lui-même Kohen, parce que son père, elle est Kohen. Mais, malgré tout, cette fille-là, donc je reprends, vous avez retenu, la mère, elle était Kohenette. La grand-mère, elle était Kohenette. Elle a une fille, Israël, qui s'est mariée avec un Kohen, qui a donné naissance à un Kohen. Elle, elle est Kohen de nature. Il lui reste un petit-fils, Kohen. Ce Kohen-là, il peut être Kohen Gadol. Et bien, malgré tout, à cause de la présence de ce petit enfant chez la grand-mère, qui a un reste de ce qui est né, de la fille qui est née, qui n'était pas Kohenette, le Kohen Gadol va interdire à sa grand-mère de manger. Parce que le Kohen Gadol, par rapport à sa grand-mère, c'est un reste de la fille étrangère qu'elle a eue. C'est ce que la Mishnah, en fait, elle nous met en scène, et elle va conclure pour le présenter de manière un petit peu insolite. Genre, le Kohen Gadol, il va permettre à sa mère de manger la trauma, mais il va interdire à sa grand-mère de manger la trauma. Sa mère, qui était une Bat Israël, tant que le Kohen Gadol, il va être vivant, sa mère pourra manger la trauma, même si son père va décéder. Mais sa grand-mère, qui était elle-même une Kohenette, elle ne pourra pas manger la trauma. Le petit-fils, qui est le Kohen Gadol même, il va pouvoir donner à manger. Il va permettre à sa mère Israël de manger de la trauma, il va interdire à sa grand-mère qui était Kohenette de nature de manger de la trauma. C'est le côté un petit peu absurde, si je peux dire, un peu insolite comme ça, que la Mishnah nous présente. On fait tout ça dans les mots, regardez. Kohen Gadol. Un Kohen Gadol. Pe'amim Shehu Posel. Dans certaines situations, il va invalider une Kohenette de manger de la trauma. Comment? Keitzad. Bat Kohen les Israël. Une fille de Kohen qui a été mariée ou qui a été abusée par un Israël. Veyalda Emenu Bat, et ils ont eu une fille. Donc la fille qui naît, c'est une Israël, Bat Israël maintenant. Donc, elle va interdire à sa mère de manger de la trauma. Ve'alcha Abat, Venisset la Kohen. Et cette fille-là, elle est partie, elle s'est mariée avec un Kohen. Ils ont le droit de se marier, aucun problème, bien sûr. Veyalda Emenu Ben, et ils ont eu un garçon. Ce fils-là, c'est un Kohen, pourquoi? Parce que son père, c'est un Kohen. Même si sa mère, c'est une Israël, son père, c'est un Kohen. Areze Raoul Yot Kohen Gadol. Ce petit-là, maintenant, quand il va grandir, s'il travaille bien, eh ben il va pouvoir devenir le Kohen Gadol. Omed de Meshamesh Al Gaba Mizbeach, il pourra même partir faire la Avoda au Bet Hamikdash, à Yom Kippour. Eh ben, Ma'achil Timo, il
pourra permettre à sa mère de manger de la trouma. C'est-à-dire, si son père va décéder et qu'il va rester, lui, juste avec sa mère, il va permettre à sa mère de manger de la trouma, parce que sa mère, même si c'est une bat Israël, mais si elle a un fils Cohen, sa mère a le droit de manger. Par contre, Possel Emimo, il va invalider sa grand-mère, la mère de sa mère, qui elle-même était une vraie Kohenette, mais qu'il reste une progéniture par l'intermédiaire d'un Israël, donc même si lui, il est Cohen Gadol même, sa mère, sa grand-mère, c'était une Cohen, mais puisqu'il reste une progéniture de la grand-mère qui était pas Cohen, parce que c'est un Israël qui était parti avec elle, eh bien, il va l'invalider. Et dans ce cas-là, la Mishnah le présente de manière un petit peu rigolote, on nous dit dans les autres, Omer et celle-ci va nous dire « Lokibni Cohen Gadol » Chez Oposlani Menatouma, la grand-mère va dire « Oh, je vous souhaite pas d'avoir des petits-enfants comme le mien, qui est un Kohen Gadol, parce qu'à cause de ce Kohen Gadol, j'ai plus le droit de manger la Trouma. » Genre, on a une femme qui était Kohenette, en théorie, elle a plus de mari, elle aurait le droit de repartir manger la Trouma. Et il lui reste quoi sur Terre? Il reste un Kohen Gadol. Ben, à cause de ce Kohen Gadol, elle peut plus manger la Trouma. C'est ce que la Mishnah nous dit. Je vous souhaite pas d'avoir un petit-fils comme Kohen Gadol comme le mien, parce qu'à cause de lui, je suis bloqué, je peux lui manger la Trouma. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, tout ça.